Je m'appelle Maman Fissa Tchoudi, Maman Togo. Je suis président des supporters des Éperviers. Je soutiens Drogba pour que les Ivoiriens le prennent comme président de la fédération. Je soutiens la candidature de Drogba parce que Drogba, c'est un grand joueur. C'est un joueur africain exemplaire. Il a joué pour son pays, il a été capitaine. Tout temps qu'on l'appelle pour l'équipe nationale, il n'a jamais boudé. Il est toujours là. Quand on l'appelle de venir jouer pour son pays, ça va, ça ne va pas, Drogba est toujours là. C'est pourquoi je le soutiens. Et Drogba, c'est un joueur international, le monde entier le connaît. Je le soutiens parce que c'est un joueur qui est humble, qui n'a pas de problème, qui respecte. Chaque temps quand tu causes avec Drogba, il essaie de défendre son pays souvent. Le monde a changé. Regardez, Georges Weah, il a joué. Aujourd'hui, il est président de la République. Drogba, c'est un joueur. Il a joué. Il a été capitaine. Il connaît le football. Si aujourd'hui, on le prend président de la fédération de football, il a tout la chance d'aider la Côte d'Ivoire pour réussir. Il connaît. Il a joué. Je sais qu'avec Drogba, la Côte d'Ivoire va marcher. D'abord, il n'est pas venu pour chercher l'argent. Il a son argent. Il va venir encore aider le football ivoirien. Il connaît son football. Si on prend quelqu'un qui ne connaît pas le football maintenant, on met là-bas. Demain, on va dire tant. Drogba connaît, il sait. Les Ivoiriens, je vous demande pardon. Drogba, c'est un joueur africain. Si aujourd'hui, Drogba a reçu, c'est le Togo qui a reçu, c'est la Côte d'Ivoire qui a reçu, c'est le Ghana, c'est l'Afrique qui a reçu. Et demain, ça sera l'autre pays aussi. On va voir ce que Drogba fait. Les anciens joueurs aussi vont continuer à faire pour les autres pays.